Action. Action, action. Alors, bonsoir tout le monde, je vais vous faire un tour avec des ballons. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 de différentes couleurs. Et une seule prédiction. Il n'y en aura pas deux, il n'y en aura qu'une. J'ai besoin juste d'une personne au hasard qui vienne spontanément me rejoindre sur scène. Bon, allez. Allez, ben Damien, voilà. Damien. On applaudit Damien. Oh. Tu vas tenir ça en main gauche. C'est une grappe de ballon. Je vais te bander les yeux avec un sac. Tu vas prendre n'importe quel ballon et tu vas le crever. Alors j'ai apporté un sac fakir, comme on peut appeler ça, plutôt que d'avoir un couteau dans les mains. J'ai mis des petites punaises et au moment où tu vas taper dessus, le ballon va s'éclater. Et moi j'aurai le même sac sans les punaises sur la tête, comme toi. Et je vais essayer de deviner le ballon que tu as crevé. Moi, pour savoir, à chaque fois que j'ai gonflé un ballon, par exemple le jaune, j'ai gonflé. Et à la fin, j'ai dit « jaune » et j'ai mis dedans. C'est vrai, Thierry, tu rigoles, mais c'est vrai. Et j'ai serré. Et au moment où je vais éclater ce mot « jaune », je vais l'entendre. Comme un écho. Exactement, bravo. On essaye ? Allez, on va te bander les yeux. On va faire un essai juste pour voir si ça fonctionne, si tu as tout compris. Hop. Alors, tu prends n'importe quel ballon. Et tu le crèves sur ta tête très fort, plus fort, plus fort, plus fort. Attends. Marche pas. Ah, j'avais mis les punaises du mauvais côté. Mais au moins, j'ai vu que tu as compris comment il fallait jouer. C'est bon, tu as tout compris? Ouais. Allez, on repart. C'est parti. Ouais. Ça sur ta tête, c'est pas désagréable, c'est bon? Non, c'est bon. C'est bon. Alors les punaises, ils sont vers le milieu ici. T'as plus qu'à taper. C'est parti. Je vais bander les yeux moi aussi et je vais essayer de crier très fort pour pouvoir entendre que tu m'entendes ce que je raconte. C'est bon? Allez. Damien, t'es prêt? Oui. Alors, tu prends n'importe ta grappe et tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Moi, je me mets dos à toi pour pas que tout le monde me voit en même temps. C'est bon? Tu prends n'importe quel ballon. Et dès que tu en as un en main, je ne sais pas, dès que tu l'auras, tu le jetteras par terre. Par terre. Ça sera le premier, on le met par terre. C'est le hasard. C'est bon? Oui. Tu en prends n'importe quel autre ballon. Disons, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Tu prends n'importe quel ballon. Et quand tu l'auras, tu crèveras sur ta tête, tu taperas très fort. Plus fort, plus fort. Oh, jeune! J'ai entendu jeune, vous l'avez entendu tous? Oui, oui, oui. Ouais. C'était bon, c'était ça? Oui. Oh. Bon, allez, on continue. On continue, tu mélanges, tu mélanges, ouais. Tu prends n'importe quel ballon. Et dès que tu l'auras, tu taperas sur ta tête très très fort. Tu tapes, tu tapes. Oh, bleu, 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 j'ai entendu bleu, c'est ça? Oui. Ouais. Ouais. Allez, j'en prends un autre. Tu tapes sur ta tête. Violet, violet. Ouais. Ouais, allez, ça reste un. Oh, c'est le rouge, j'ai entendu rouge, c'est ça? Oui. Tu peux enlever le chapeau, hein. Attention de les punaises. Et il reste un ballon que tu as mis au hasard, de côté, dès le début, le premier, comme j'avais dit. Et la prédiction dit, tu auras de côté, tu auras mis de côté le ballon rose. Wow. Donc j'avais envie de le présenter sans couteau, comme je dis, et avec une prédiction en plus. Voilà. Très bien.